Durant près de 3 heures, les basketteurs vont tout donner. Le rythme est soutenu. On a commencé à 11 heures, là on n'a toujours pas mangé, il est 3h30, 4h. Donc là ça devient dur. Malgré la fatigue, Quentin se reprend. Et marque même un panier. La fin de l'entraînement approche. Les coachs se concertent pour choisir les joueurs qui iront à Indianapolis demain. Alors, pour demain, pour le match, t'en penses quoi? Je pense que nous devrions prendre. Les coachs ont choisi Quentin. C'est un véritable soulagement pour le jeune Français. Direction Indianapolis, à un peu plus d'une heure de route. Pendant le trajet, l'ambiance est détendue. Entre Kyle, le capitaine, et Quentin, la nouvelle recrue, le courant est tout de suite passé. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Le coach David compte sur Kyle pour guider Quentin. Parle plus avec les jeunes joueurs. Et grâce à ta défense, pousse l'équipe sur le terrain, même en entraînement. Il va falloir être fort mentalement et physiquement. Dans notre tête, il va falloir se convaincre que ça va aller. Je vais prendre tous les conseils qu'il me dit parce que lui, il a déjà joué ici. Il ne faut pas que j'ai peur de rentrer dans le joueur, rentrer directement, montrer qu'il faut que je m'impose directement parce que sinon, je vais me faire manger pendant le match et que ça va vraiment être physique. Les cartes sont dans mes mains, donc c'est à moi de faire le meilleur pour mon premier match. Une fois sur place, la pression commence à monter pour le jeune basketteur. Un petit peu la boule au vent pour l'instant, mais bon, je pense que ça va aller. À l'intérieur du gymnase, c'est la démesure américaine. C'est super grand, il y a 5-6 terrains, c'est impressionnant. Les terrains sont vraiment stylés. Quentin a des étoiles plein les yeux, mais l'appréhension ne tarde pas à le gagner. J'attends de voir l'équipe en face, on va voir ce que ça va donner. Ça risque de jouer physique. Moi, c'est mon premier match, donc je vais voir ce que ça va donner. Quentin va jouer dès le début. Un signe de confiance de la part de son entraîneur, mais aussi une pression supplémentaire. Là, je fais partie des 5 majeurs, donc je vais rentrer dès l'entrée du match. Donc, il va falloir que je me concentre directement. À l'université, ils ont plusieurs années d'expérience et ça se voit sur le terrain. Pas assez agressive, l'équipe de Quentin est largement dépassée. À la moitié du match, l'équipe adverse domine celle de Quentin de 14 points. Une véritable claque. La partie reprend, mais Quentin reste sur le banc de touche. David en profite pour lui faire une leçon de stratégie. Ouais, mais tu vois, notre erreur, c'est si on avait mis de la pression dès le début, il n'aurait pas sifflé les petites fautes à la con comme ça, parce qu'il aurait vu qu'on était défensif, tu vois. Là, on n'a pas défendu au début, donc maintenant, ça siffle. Tu sais, les arbitres, ils sifflent dans la logique du jeu. À la reprise, les mots du coach semblent faire leur effet. Dedans, dedans, dedans! Soyez organisés! L'équipe de Quentin remonte de manière spectaculaire. Au coup de sifflet final, l'équipe de Quentin perd le match, mais seulement de 4 points. Une déception pour Quentin, qui rêvait de débuts plus flamboyants. Comment c'est rêver américain avec une défaite, c'est... Ouais, je suis dégoûté un peu, c'est bête, parce que ça aurait été mieux en commençant avec une victoire, mais on sait qu'on peut rivaliser et que la prochaine fois on se reprendra. Mais c'est vrai que perdre sur une défaite comme ça, c'est un peu triste. En très peu de temps, il a su s'adapter à cette nouvelle vie aux États-Unis et il a maintenant devant lui une année entière pour atteindre son but, rejoindre une équipe universitaire et devenir un jour basketteur professionnel.